Salut à tous et à toutes les amis, c'est Dragon 68, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play détente. Alors, installez-vous calmement, vraiment, posez-vous tranquillou. On se retrouve sur Super Mario World, Super Mario Advance 2. On se retrouve sur un let's play détente, donc ça sera pas un let's play où ce sera régulier, un petit peu comme Pokémon Rocheux, je fais en ce moment. Non, ça sera vraiment un let's play, genre, il peut y avoir une vidéo toutes les mois, il peut y avoir une vidéo toutes les 2 mois, tous les 4 mois, tous les 1 an. Mais voilà, ça va être un petit peu un rendez-vous où je vais pouvoir me détendre. Un rendez-vous où je vais sûrement rager. Parfois je serai en multi, parfois je serai en tout seul, donc, enfin, je serai en tout seul, oui, mais on aime la France, nous. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le faire. Voilà, un let's play vraiment calme. Enfin, c'est pas un let's play, c'est plus des petites vidéos, c'est un let's play détente, on va appeler ça comme ça. C'est un let's play détente où je ferai des vidéos, bah. Pas régulièrement non plus, mais voilà. On va faire du Super Mario World. Je ferai peut-être du Super Mario Bros plus tard. Mais là, j'ai vraiment envie de faire du Super Mario World. Alors, on prend le français. Et le fichier. Bienvenue à Dinoland. On dirait bien que la princesse Peach a disparu. Ça doit vouloir dire que l'ignoble Bowser est de retour. Normal. Tu joues un jeu Mario, mec. Tu vas pas dire que la Titu est de retour. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Alors, île de Yoshi, Mario Start. Alors, ce jeu ça a des contrôles assez simples. Pour la GBA, vous appuyez sur B pour courir. Vous esquivez les canons, vous appuyez sur A pour sauter. Hop. Vous obtenez des champignons. Enfin, je vais pas vous expliquer non plus le but d'un Mario, parce que sinon j'y prendrais des heures. Et ça serait très chiant. Je vais essayer quand même d'aller vite. Enfin, relativement vite. Vous avez vu un petit peu tous les ennemis qu'on peut croiser. C'est que j'aime bien dans ce genre de jeu. C'est qu'il y a pas mal d'ennemis et puis les niveaux sont assez variés. Mais en tout cas, nous voilà enfin sur du Mario, sur du vrai Mario, j'ai envie de dire. Hop. Hop là. Donc ça c'était pas... Enfin, c'est pas une invention faite par... par Mario Bros, comme ça. Beaucoup pensent que ça a été ajouté à Mario Bros. Oui, mais en fait pas du tout. Ça a été ajouté à Mario Bros. Enfin Super Mario World, Mario Advance. Wow! Wow, sympa! Hop là! Ça c'est la nouveauté de ce jeu. Il y a plein de trucs, ce jeu pour moi est complet. C'est un jeu super. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu d'ailleurs, sur l'équipe. Si vous voulez plus de vidéos détente ou non. Mais après ça, je me concentre surtout sur le gameplay, mais je suis content de vous voir, je suis content de vous parler. À l'heure où cette vidéo sortira, je sais pas quand je serai, enfin... Parce que j'ai beaucoup de vidéos à sortir pour le moment. C'est tellement pratique, stuff-là. Et non, pas ce soir. Fait, hop. Donc je sais pas où est-ce qu'on en sera. Attends, tu meurs. On va essayer de faire quand même du score. Hop!
mars 18. Donc je sais pas où, quand est-ce qu'il sortira. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais bientôt faire des vidéos en multi. C'est un truc que je rêvais de faire depuis un petit bout de temps. Et voilà, du coup nous avons appuyé sur ce bouton. Ah non, pas encore. Putain, il faut qu'on remonte. Excusez-moi. On va faire un niveau avec Mario, un niveau qui va avec Luigi. Pour moi, c'est pas très compliqué non plus, faut pas déconner. Bon, je sais juste appuyer sur un bouton, faut pas déconner non plus. Oui. Oui. Ah, c'est tout. Je pense que j'aurais pu grimper sur le tuyau pour aller faire plus de trucs. Et bim! Pas les blocs! Le pouvoir de l'interrupteur que vous devez activer se transformera les carrés en carrés avec des points d'exclamation. Voilà. Donc ça revient au carré jaune qu'on a vu tout à l'heure. On va sauvegarder et continuer. Je ferai des petites vidéos, hein, faut pas déconner non plus. Bon, je voulais juste vous faire des vidéos comme ça. C'est parti! Soyons les continuer. Non, par contre, on avait dit c'était Luigi. Oh non, c'est pas grave, j'en ferai d'autres après. J'aurais peut-être dû prendre la carapace, je suis con. Hop, choupi. Yoshi! Youhou, merci ma belle libérée, ma belle Yoshi. Venez vous sauver, mes amis, mes besoins m'ont enfermé dans cette offre. Yoshi! Donc Yoshi, c'est un monstre sur pattes. Non, Yoshi! Yoshi. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Yoshi, je l'ai déjà dit, mais... C'est un personnage que j'aime énormément. La licence Mario parce que... Oh putain, elle m'a toujours fait rire. Mais j'aime pas beaucoup sacrifier mon Yoshi. Ah, cours Yoshi, cours! Cette dame veut nous agresser. Il nous veut du mal. Oh, un pote à Yoshi. Il est transformé en champi. Cours Yoshi! Cours! Cours Yoshi! Cours pour ta vie, mon pote. Ah, ça c'est quoi? Ok. Bouffe tout ce qu'il y a sur notre passage, on les a yolo mal. Hop. Yoshi est parti. C'est pour un monde meilleur. Et voilà, on finit ce niveau en beauté. Bon, les premiers niveaux sont pas très compliqués non plus. Hein. Je pense qu'on avait rapidement les torcher. Let's go! Ah non, j'aime pas ce niveau-là. Ah, relative. Enfin. Quoique, ouais, non, là, on a Luigi en fait. Luigi, en fait, la particularité qu'il a dans le jeu, c'est que. Bah, vous pouvez le voir, il saute plus haut. Et il reste un petit peu en l'air plus longtemps. Hop là! C'est vraiment, si vous n'activez pas les blocs jaunes dans ce niveau, vous êtes un petit peu dans la merde. Vous pouvez le faire, hein. Yosh yosh! Les réflexes, les premières morts et les réflexes. Les premières morts et d'où les réflexes. Hop. Parfait, bon apparemment c'est un petit peu relou de jouer avec Luigi. Quand tu sors de Mario quoi. Mais il est très utile quand vraiment t'as des niveaux où tu galères. Tu les fais lentement et ça passe. Hop. Après, quand t'as les phases avec Yoshi, c'est un peu plus facile. Ah merde! Bon, Luigi est pas vraiment un bon perso. Hop, on monte. Allez hop. Ouais non, on l'aura tout à l'heure.
Hop. Hop. Parfait. Ah merde, non. Yoshi. Je suis désolée. Je n'ose même plus me regarder en face. Tellement j'ai tué un Yoshi. Oh putain. Je t'avais doué. On fait des pompes. On fait les abdos. Oui. On fait des abdos avec Luigi. J'allais dire fait des abdos avec Yoshi. Mais Yoshi est mort. C'est des tueurs en série. Checkpoint. Oui. Comment je lui ai mis un gros tasse. Non. Ouch. Oh, les trucs sortent automatiquement. Oui. Il est tellement beau son habit de fleurs. Je l'aime beaucoup. Par rapport à Mario. Mario, c'est un basique, un petit peu. Toi-même, tu sais. Oh là là, je suis morte tellement débilement. Oh mon dieu. Enfin, en même temps, je tourne ça, c'est le soir, j'ai une journée de merde. Enfin, je crois qu'on pas ma vie non plus, mais. Ah, niquez ce race. Ouch, ouch. Casser la voix. Ah, sympa. Sympa ce que je viens de découvrir. Ah merde. Ouais, en fait, avec les blocs jaunes, c'est pété, quoi. C'est sympa ce que je viens de découvrir. En fait, quand vous êtes en grand et vous avez une étoile... What the fuck? Ah, ça, c'est un truc que je pouvais prendre qu'avec Luigi. J'ai bien fait faire ce niveau avec Luigi. Oh, 25. Luigi est un best. Luigi est le meilleur. Non, personnellement, mon personnage préféré, c'est Mario. Bon, c'est... Enfin, Luigi n'a pas encore fait ses preuves, j'ai envie de dire. Oh, un niveau sonore. On garde Luigi, puisqu'on a fait demi niveau avec Mario, donc deux niveaux que j'ai. Ah, c'est pas si sous-marin que ça, celui-là, je m'en souviens. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait les niveaux. Enfin, bah, je veux dire, j'avais essayé de jouer, enfin, de terminer ce jeu, j'ai envie de dire, mais je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Tranquillement. Après, comme je l'ai dit, les rythmes des. Enfin, de ces vidéos seront vraiment irrégulières. Vous attendez pas. Enfin, si je veux, je peux sortir une autre vidéo demain. Tout comme je pourrais en sortir une autre dans 20 ans. Si je suis encore sur YouTube, c'est si je me suis pas encore suicidé. Hop. C'est tout. Il me semblait qu'il y avait autre chose dans ce niveau. Ah non. 27. Bah, un niveau court. Un niveau court mais sympathique. Je dois vous avouer, un niveau très très sympathique. Hop là. Ensuite. Après, c'est vrai qu'il y a presque rien à commenter là-dessus. C'est du Mario, quoi. Pas déconner. Après, c'est vrai que Mario Adams fait un soupçon de l'histoire. Un très gros GG à lui, d'ailleurs. Parce que pour faire de l'histoire, regardez. Hop, toi, tu crèves. J'adore faire ça. Tu crèves. Ça, c'est mon activité préférée. Toi, tu crèves. Vous appuyez sur B. Hop. Ah non, on peut pas l'avoir. Et pour tourner, en fait, il faut faire. Tac. On va pas tourner puisque c'est débile. Hop. J'essaie de m'en sortir. Ah là là là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah, c'est chiant qu'elle se déclenche comme ça. Oh, je m'en souviens de cette porte. Ça me pense à l'horreur. Alors, là il y a un truc. Et j'avais oublié. Voilà. Parfait. Faut vraiment être dans le bon timing. Oh, parfait, nickel. Alors, Iggy. Lui, c'est très simple. Il faut le pousser. Alors.
Le pousseur de la reine. Voilà, nickel. Excusez-moi du coup, parce que j'ai pas parlé, mais bon, fallait juste le pousseur de la reine. Et du coup, premier mini-boss vaincu. Je sais pas si c'est le mini-boss ou le boss. Je pense que c'est le mini-boss, mais je suis pas sûre. Thank you. Vraiment budget. Mario et Luigi ont vaincu Iggy Koopa et le démon. Mario et Luigi ont vaincu Iggy Koopa, le démon dans le château 1. Souvent ainsi l'ami de Yoshi, toujours emprisonné dans un œuf. Ensemble, ils voyagent maintenant vers Beignetland. Ah, sinon, le dernier monde. Plein de beignets. Et ben, les amis, on va s'arrêter là. Ça sera une petite vidéo, sympathique comme ça. Et dans le prochain épisode, bah, du coup, qui sortira, je sais pas quand. On va aller voir l'ami dans Yoshi, du coup. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Oui.